Bernard et bienvenue. Bienvenue dans On a tout essayé. Avec ce soir, Claude Sarraute. Gérard Miller. Maureen Dor. Jean-François Derecq. Jean-Luc Lemoine. Et Isabelle Mergaux. Vous allez bien? Ça va, Isabelle? Oui, ça va très très bien. Je suis ravie d'être parmi vous. À chaque fois, vous nous apportez des choses de plus en plus sexes, je trouve. Ça, c'est un petit corset. Non, c'est assez sage. Mais il fait tellement chaud en ce moment, je ne vais pas mettre un corset. Ça, il l'a déjà mis et je peux vous dire que ça m'a coûté une fortune. C'est vrai qu'il fait beau et qu'il fait chaud en ce moment, Isabelle. C'est l'été, quelque part. Absolument. L'été indien. Ah, on appelle ça comme ça? On ira. Où tu voudras, quand tu voudras, et on s'aimera encore, même quand l'amour sera mort, toute la vie. Maureen, tu vas bien? Je suis en train de mettre à bas des années où j'ai mis des verres de contact pour pas montrer que j'avais des lunettes. Et maintenant que j'ai une conjonctivite, je me rends compte que j'ai des lunettes ringardes. Non. Parce que la mode, maintenant... Oh non, c'est tout à fait ton style. Fais attention parce que comme on dit, femme à lunettes, femme myope. Hein. Allez, il est temps de passer à la photo du jour. C'est celle de l'officialisation de la candidature de Noël Mamère pour les Verts. Une photo que publie Libération ce matin et qui nous montre une ambiance, regardez, très bucolique, très écologique. Vous pouvez le constater sur cette photo. Dominique Voynet, Daniel Cohn-Bendit et Noël Mamère étaient donc réunis pour officialiser le fameux dicton météorologique « Lipietz au printemps, Noël en octobre ». Justement, on ne voit pas Alain Lipietz sur cette photo de Libé. Il faut feuilleter Le Parisien aujourd'hui pour retrouver l'ex-candidat des Verts resté en embuscade. Regardez, moi je l'ai reconnu quand même. C'est vraiment lui en plus, hein, non? C'est lui ou c'est un sosie, mais c'est pas possible. Mais il est beau, hein. Qu'est-ce que vous dites? Non. Je trouve que ce mec-là est quand même plus beau que Lipietz. Non, je suis pas d'accord. Lipietz est plus beau que ce garçon. Oh non. Ah oui? Je vais vous mettre d'accord, je suis plus beau que tous les deux. C'est pas Lipietz, pour ceux qui n'auraient pas compris. Hein. Non, c'est le... Je vous le dis, Claude. Hein. C'est le ministre du tourisme du Pakistan. Il est très accueillant, le mec. Isabelle, un petit commentaire? Eh bien, j'aime beaucoup son chapeau. Derek? Sur ma mère, hein? Ouais. Il a dit, il faut en finir avec les phrases définitives. Par contre, en ce qui lui concerne, on ne sait pas si cette phrase est définitive ou définitivement provisoire. Un coup, il présente ses candidats, c'est irrévocable. Après, il n'est plus candidat, c'est irrévocable. Son indécision est également irrévocable. On change de camp. Hier, le Premier ministre, lui, profitait du beau temps pour prendre un bain de foule en Bretagne, à Rennes. Et cette photo du Figaro nous montre combien M. Jospin est moins doué, on peut le dire, que M. Chirac pour serrer des mains. Regardez, il est obligé d'aller chercher quelqu'un au troisième, au quatrième rang. Genre, est-ce qu'il y a un socialiste parmi vous? Ouf, j'en tiens, il est là-bas. Bon, on voit pas à qui il serre la main, hein, Gérard. Ah non, alors ça, je peux vous dire, sérieusement, c'est un progrès formidable de Lionel Jospin. Moi, je l'ai accompagné une fois dans ma vie. Lorsqu'il a été candidat en 95. Vous, non, main. Non. Je l'ai accompagné une fois dans une campagne, en 95, et c'était frappant, c'est qu'il était capable, tellement il était angoissé, que de serrer vraiment la main de la personne qui était juste devant. Ah. Donc le fait qu'il puisse traverser une foule, vous imaginez pas le progrès psychologique que ça représente. Alors on va lancer un grand jeu sur France 2. Qui serre la main de Lionel Jospin sur cette photo, parce qu'on voit une main, mais on ne voit pas qui il y a au bout. Si vous reconnaissez votre main sur cette photo. Mais on ne voit pas qui il y a au bout de la main parce que l'écran est trop petit. Si ça, trouve, si ça se trouve, c'est le même mec qui serre la main d'un côté et qui tend le micro derrière la caméra. Lançons donc le grand jeu. Si vous... Oui, allez-y. Non, c'était juste pour dire qu'en tout cas, la personne devait être soit très belle, soit très connue, parce que tout le monde la regarde, elle, ah et ouais. Pas Jospin. C'est peut-être Chirac, finalement. Si vous reconnaissez en tout cas votre main sur cette photo, eh bien, vous gagnerez. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait offrir à nos téléspectateurs? Une paire de gants? Non, j'ai mieux. Un album de Michael Jackson, tiens, puisqu'il est sorti à minuit la nuit dernière. Et je suis d'ailleurs tombé sur cette photo de Michael Jackson dans France Soir aujourd'hui. Faut qu'il arrête, hein. Faut qu'il arrête la chirurgie esthétique, là, c'est trop. À part ça, on vous l'a dit, il fait beau sur la France et sur les plages de la Côte d'Azur. Les marins du Charles de Gaulle sont toujours sur le qui-vive, comme on peut le voir sur cette photo. Au cas, évidemment, où notre porte-avions devrait partir. C'est vrai que le beau temps encourage à une certaine
insouciance, hein, Gérard, dans tous les esprits. Exemple, ce monsieur, vous avez peut-être vu dans la presse ce matin, ce monsieur qui a laissé son bébé tout seul sur la banquette arrière de sa voiture. Ça se passe à Cassis. Et on nous dit ce matin, la voiture a été volée évidemment, on nous dit dans les journaux que cette voiture a été volée parce que le papa italien avait décidé de partir à pied chercher une place de parking. Alors là, j'avoue que je ne comprends pas trop. Ouais. Bizarre. On a retrouvé le bébé, fort heureusement, à Marseille un peu plus tard, mais est-ce que vous, ça vous viendrait à l'idée d'aller chercher une place de parking à pied? Non, pas du tout. Parce qu'une fois que vous avez trouvé la place de parking, qu'est-ce que vous faites? Non, je sais pas. Tu restes là pour l'occuper. Non, tu restes et tu t'appelles ta femme pour qu'elle cherche la voiture. Il était seul. Mais il était seul. Alors voilà, je le dis à ce monsieur italien, il est très con et je comprends que le bébé soit parti avec la bagnole. Oui, ou alors il y avait peut-être, c'était une ville qu'il connaissait pas, il y avait plein de sens unique et tout, il voulait pas s'engager avec sa voiture, il voulait repérer un petit peu. Si, c'est comprends. Mais si. Non, attends. Quoi? Déjà, ce type a réussi à ce que son bébé soit enlevé. En plus, il nous casse les pieds pendant 10 minutes pour qu'on comprenne le fonctionnement de sa pensée. Mais on s'en fout. Cela dit, quand même, on se gare mieux sans voiture. Hein. Allez. L'INSEE vient de publier une enquête tirée de l'emploi du temps quotidien des plus de 60 ans. Sachez par exemple que la télévision occupe une moyenne de 3h15 dans la journée des retraités. Mais désormais, les voyages et aussi la gymnastique se taillent la part du lion dans les activités de nos têtes blanches. Ça vous va, sa tête blanche? Oui, oui, j'adore. Hein, comme expression. Quand il y a des cheveux. Oui. Oh. Bref. Sinon... Sinon, la génération Sarraute est de plus en plus active. L'occasion de demander à Claude, justement, un test réalisé par Jean-Pierre Petit. Regarde. Bonjour, c'est Claude. Je suis venu avec quelques amis et on a testé pour vous les loisirs sportifs pour personnes âgées. Voilà, on est des retraités de Sofraco. C'est le comité d'entreprise qui nous a organisé tout ça et qui nous a demandé si... Bon, bah, très bien. Non, non, attends. Hey Jean. Hey Jean-Paul. Allez-y, mollo. Voilà. Enfin, on y va mollo aujourd'hui, je dirais. On y va mollo, pas particulièrement mollo. Pourquoi veux-tu qu'on y ait toujours mollo sous prétexte qu'on est vieux? Allez, allez. Aidez-le un peu, Geneviève. Vas-y. Tu dis très bien parti, là, c'est formidable. Et plus il monte, et mieux c'est, hein. Il commence à prendre conscience. Regarde ça. Oh. Non, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh, allez, vas-y, tu continues, mon grand. Tu continues. Non, mais regardez-moi ça, c'est un danseur. Il a la dent sur la paroi. Bravo. Entre le dédoué. Vas-y. Ah ben, dis donc, c'est un... Il s'est déverrouillé. Ça va? Bonne expérience. Bonjour. Il a trouvé ses 20 ans, là. Trois vieux papis, trois papis papotaient pour se faire du vent. On voudrait faire du trapèze. D'accord. Et vous allez tout en haut, et après, il y a quelqu'un là qui vous accueille. Il n'y a pas de souci pour les personnes âgées. Hein. Mais non. À part pour les pacemakers, si vous voulez. Personne n'a un pacemaker. Il y a des choses qui sont importantes. C'est d'écouter. Je vous écoute, vous? Non. Et je suis un peu sourd, hein. Si je peux faire ça à son âge, chapeau. Donc, il a de la chance. Allez, on va faire du relais. On est un club de personnes âgées, il nous faut trois paires de patins. Évitez de leur donner des rollers. Non. Non, mais attends, qu'est-ce que tu dis là? On veut les rollers d'un mot. Tu nous empêches de nous éclater, nous. On veut faire des sports un peu difficiles, on veut vraiment s'arracher au bridge et à je ne sais quoi. Rabat-joie alors. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmier, de tout comme ça. Non. On est adulte et vacciné, hein. On n'est pas gâteux. Trois vieux papis, trois papis papotel. Suis-moi. Ah ouais, mais ouais, quand même. Il est sûr, hein. Bah oui. Ah, moi je croyais qu'il savait pas et tout. Regardez-le. Oh. Il
pas bien, lui, là. Bravo, 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 bravo. Alors là, tiens, laisse-moi t'embrasser. C'est super. Formidable. Faut quand même féliciter. Faut quand même féliciter toutes ces personnes âgées qui étaient avec vous. Ils étaient vraiment qu'âge, ils avaient, ces gens. Voilà, ils avaient à peu près mon âge, autour de entre 70 et 75, 16 ans. Celui qui faisait du roller, là? Alors, celui qui faisait du roller, c'est un instructeur de patin à glace. Il fait du roller 4 fois par semaine. Et c'est, il danse sur ses roues, là, sur ses... Et celui qui faisait du trapèze? Alors, lui c'est un adorable garçon. Il n'a que 36 ans. On l'avait grimé, tu vois. On lui avait passé les cheveux au blanc. Et alors, il arrivait avec sa canne tout courbée comme ça. Et puis, dès qu'il s'agissait de monter au trapèze volant, il faisait tout ce qu'il voulait. Donc, vous sortez avec des vieux de 30 ans. Claude, je peux me permettre de vous poser une question, parce que je vous connais depuis très longtemps. C'est, je vous ai vu dans le reportage avec des cheveux absolument super. Pourquoi vous portez une perruque quand vous venez à l'émission? Ça, c'est vraiment méchant, la théorie. Écoutez, j'ai un exemple à vous proposer. Quelqu'un que nous allons accueillir avec nous pour parler de ce sujet. Je vous demande de recevoir sur ce plateau une retraitée active, Madame Pierrette Estelle. Bonjour Pierrette. Bonjour. Ben, j'ai content d'être avec nous, Pierrette. Moi aussi, je suis contente. Non, on vous parle normalement. C'est pas parce que vous faites de la trottinette que... Je suis retombée en enfance. Que vous êtes retombée en enfance. Si, un peu. Quel âge avez-vous, est-ce qu'on peut le dire? Entre 76 et 77 printemps. Alors, Pierrette, vous avez été élue Super Mamie Provence en 99. Oui. Vous êtes championne du Vaucluse en tir à l'arc. Vous faites de la peinture sur tissu. Mais vous n'arrêtez pas, vous faites de la plongée. Oui. Avec combinaison et bouteille. Ah, bah oui. Oui, oui, bah oui, comment, oui. Et vous les buvez toutes, les bouteilles? Ça conserve, hein. Et aujourd'hui, justement, c'est drôle parce qu'évidemment, on avait prévu votre venue dans cette émission déjà la semaine dernière. Vous êtes là ce soir. On est quel jour d'ailleurs aujourd'hui? Mardi. Comment ça perd de la mémoire, hein? Non, c'était jeudi. C'est jeudi. Bien, ouais. Vous n'avez pas des cachets Alzheimer pour moi? Bon, je vais vous raconter une petite histoire à propos d'Alzheimer. Allez-y. C'est une petite... Moi, c'est une copine qui me l'a racontée. Elle a une voisine qui est plutôt jeune, bien sûr, qui perd la mémoire. Et elle va voir ma copine, elle lui dit « Je crois bien que j'ai la maladie d'Eisenhower. » Ah ben j'ai entendu, moi, Patrick Sébastien en racontait une très drôle sur Alzheimer. Et je vous la raconte. Alors, oui. Ben, c'est un type qui a Alzheimer, il voit un autre type qui a Alzheimer. Et il lui dit « Dis donc, ça va mieux toi Alzheimer ?»« Bah écoute, ça commence à aller un peu mieux parce que je prends des cachets 2 ou 3 fois par jour. »« Ah bon, bah, faut que tu me donnes la marque parce que moi j'aimerais bien les avoir aussi. » Le type dit « Bah oui, attends, ça va me revenir. » C'est con, je les prends 2 ou 3 fois par jour, le nom des cachets me revient pas. Attends, ça va me revenir. Mais si, c'est pourtant simple. Cette fleur-là, avec une longue tige et des épines. Alors l'autre fait une rose. Oui, c'est ça. Rose, c'est comment le nom de mes cachets? C'est très joli, hein? Alors justement, est-ce que quand on... Vous êtes à la retraite depuis combien de temps? Oh, moi, j'y suis jamais. Hein. J'ai toujours quelque chose à faire. Et pour vos 75 ans, c'était en l'an 2000, donc, oui. Vous avez fait votre baptême de montgolfière. Voilà, ce sont mes enfants qui m'ont payé ça. Incroyable. Ils voulaient se débarrasser de vous, ils voulaient pas. Non, mais sérieusement, c'est incroyable. Et ça vous arrive d'aider des jeunes à traverser la rue ou pas? Alors, je peux vous dire, tu? Oh oui, bon, moi alors, aussi. Pourquoi? Parce que... Bah sûr, tu toi, bien sûr. Ouais. Alors, bon, alors... C'est il pourrait être joli. Votre grand-père. C'est bien joli, bon, les petits loisirs à la con. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand même sexuellement. Eh ben, alors, vas-y, il y a quand même que ça qui nous intéresse, nous. Alors, comment dis-leur ça se passe? Tu vis avec un garçon qui n'a que 62 ans. Oui, hein? Oui. Ils savent tout. Elle l'a rencontré en faisant de la plongée sous-marine. Oui. Maintenant, vous avez le temps, ça doit oui, y aller. Oui, c'est vrai. À ce propos, j'ai lu un sondage sérieux. Et il disait que 25% des plus de 70 ans déclarent faire l'amour plus de 3 fois par semaine. C'est-à-dire, si c'était avec lui, ça serait tous les jours et matin et soir. Eh ben mon Dédé. Isabelle Mergo. Ah moi je trouve ça admirable. Moi je pense que quand je serai vieille, je ferai pas ça, je ferai chier tout le monde au contraire. Ah ouais. Ouais. Vous n'avez pas attendu.
comme... Mais je voudrais dire quand même que c'est merveilleux le culte de la non-vieillesse et qu'il faut être exactement comme tu es, c'est-à-dire s'activer. Faut pas s'écouter. Hein. Mais écoute, franchement, il y a un moment, c'est mon cas, où tu te dis, je peux me relâcher un petit peu. Après tout quoi, hein, il me reste, mettons, 5-10 ans à profiter de la vie, alors je vais en profiter vraiment. J'admire les gens comme toi. Mais je oui, mais elle prend du plaisir à faire ça. Mais oui, ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Exactement, elle est contente de faire du vieillesse, la jeunesse à tout prix. Eh bien, mon ami le sait, là, et il sait très bien que si le jour où je me suis fixé un but et que je n'ai pas fait ce que je voulais dans la journée, je suis mal vissée le soir. Ah oui? Ah ouais. Ce soir, vous dites pas ce soir. Alors ben, ce sera le mot de la fin. Vous remercie Pierre et Estelle. Merci à tous. Vous allez rentrer sur Avignon. Vous embrassez vos amis pour nous. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Au revoir. Au revoir. Un peu de musique. Les jeunes les appellent le Saiyan. Ils sont une des dernières révélations du rap français. On les surnomme aussi les six samouraïs du hip-hop. Et c'est avec leur titre Angela, vendu à plus de 600 000 exemplaires, qu'ils se sont fait connaître du plus grand public. Avant leur tournée, leur Olympia aussi à Paris, le 20 décembre prochain, ils ont accepté notre invitation pour que nous testions leur nouvel album, X Raison, c'est le titre. Alors accueillons ensemble Saiyan Supakrou. Bonjour, bienvenue. C'est le quantième album. Le deuxième. Le deuxième. Le premier avait cartonné. Oui. Oui. Il cartonne encore là, pour l'instant. Il cartonne encore. Ouais. Bah, celui-ci vient de sortir, faut dire. Celui-ci s'appelle donc X Raison. J'ai envie d'abord de demander à mes petits camarades s'ils connaissaient avant leur venue ici Saiyan Supakrou. Claude. Non, pas du tout. Je vous ai découvert sur mon porte-disque. On tourne disque. Ça s'appelle un mange-disque, Claude. Derek ? Oui, je les connaissais, mais sous leur ancien nom, les Compagnons de la Chanson. Ah, il y a longtemps, alors. Il y a longtemps. Ah, ouais. Jean-Luc ? Oui, je connaissais avec leur tube. Je crois que j'étais, d'ailleurs, je peux vous le dire, j'étais une des deux ou trois personnes en France à ne pas l'aimer. Mm-hmm. Parce qu'elle a été tellement matraquée que... Ouais, après, on l'aime plus quand c'est... Ça me sortait par les oreilles. C'était Angela, vous l'avez dit ? Ouais, et c'est pour ça que j'ai bien aimé l'album, parce que justement, Angela, j'en pouvais plus. Quoi. Et comment ça se fait qu'il y en a un qui est toujours debout ? Il va encore grandir, je sais pas. C'est une bonne question, est-ce qu'il y a un leader dans Saiyan Supakrou ? Non. Non ? Non. Oh, oh, oh. Est-ce qu'il y a un leader ? Yves Morindor, vous les connaissiez ? Ouais, moi je les connaissais et j'adore le nom de votre groupe. Ça vient d'une bande dessinée. Mm-hmm. Voilà, c'est ça. Voilà. D'un manga vidéo qui s'appelle Dragon Ball Z. Voilà, un dessin animé que les petits connaissent et même les moins jeunes. Donc et dans ce dessin animé, ils appellent ça les Supa Saiyan. Donc les Supa pour super, Saiyan pour guerrier. Donc le crew un petit peu des super guerriers. C'est la bande des super guerriers. Voilà. Saiyan Supakrou. Voilà ce que ça veut dire, Claude. Vous êtes éclairé ? Oui, tout à fait, mais j'avais compris. Puisque c'était une bande dessinée, pourquoi pas Babar et ses amis. Derek, vous permettez qu'avant de parler tous ensemble du nouvel album, X Raison, vous êtes là pour ça, Saiyan Supakrou, on regarde un extrait de la première chanson et justement c'est X Raison. C'est le SSC, j'imagine un peu mon cours s'il était au complet. Il paraît qu'on fait très mal sur scène, qu'on est des bêtes de scène, mais qu'on travaille sans cesse, 7 sur 7. M17, Teddy de Gaz, Teddy T. Thomas mon odédi, KLR et Dead est difficile de sortir des squelettes. Sans genre de Mehdi, on s'est promis de sortir du taudis. Puis mois d'avril maudit. Oh bah la musique c'est cool, régénère mes sens en vue de faire bouger la foule. Pour moi un or de platine ou de diamant, c'est sur les jours et Golfillon est étincelant. Souvent au mic je me défoule, je décris ce que je vois, ce que j'entends et ce qui me fout. Mais je parle aussi de ce que je kiffe heureusement, déterminé et peut-être doué à parler aux gens. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, jusqu'à 14 raisons de même si. Moi, 15 secondes, il y a 16 pour le tout le monde, la Saiyan Supakrou, eh bien, votre album, vous vous inquiétez de savoir si toute l'équipe a écouté votre CD. Ouais. Oui. D'habitude, on vous reçoit dans les émissions et on n'a pas écouté l'album, c'est ça? Non, on nous parle d'Angela, on nous parle de ça. Et... Là, c'est bien. Eh bien, tu vas voir. Vas-y, on attend. Alors, on commence par Gérard. Alors, moi, je l'ai écouté. Je dois dire, je l'ai écouté en deux temps. Le deuxième temps, c'est après l'émission. Le premier temps, j'ai écouté la musique, le son, j'ai trouvé ça très bien. Et j'ai les jetons chaque fois que je tombe sur un groupe de rappeurs. Je suis désolé de vous le dire, je ne suis pas du tout un spécialiste de la musique. J'ai une sympathie immédiate pour les rappeurs. Et je suis tombé une ou deux fois sur des rappeurs dont j'ai écouté le texte, qui sont des textes abjects. Je me rappelle notamment d'un texte raciste, anti-blanc, sur Face de Craie, que tout le monde doit connaître. Moi, je l'ai découvert. Je dois dire, quand je lis ce genre de texte-là, ça me fait vomir de racisme anti-blanc ou anti-noir. C'est exactement la même chose. Et est-ce que vous vous situez le moins du monde dans cette mouvance-là ?
Non, je pense qu'on se situe dans la majorité du mouvement rap actuel, c'est-à-dire qu'on a des revendications. On se situe, on appelle notre mouvement le bas-peuple. Et je pense que c'est vraiment une minorité du rap qui exprime ses idées sur les femmes et tout ça. C'est vraiment marginal tout ça. Jean-Luc Non, moi j'ai écouté, puis donc j'avais pas aimé Angela, mais là j'ai trouvé vachement bien. Et puis vous êtes paradin sur les textes en plus, vous y allez. Mais des fois je comprenais pas les textes, et je peux donner un exemple. C'est une chanson qui s'appelle 14-02-2002. Ouais. Je vais vous lire d'abord le texte. Alors ça fait 14-02-2002, la Saint-Valentin, se dit-il. Doutait-il d'une date telle pour un tel don? Don dû à trop d'abandon, dû à trop de bandon, puis après prenons l'oubli pour une demande de pardon. La lettre est là. Et quand vous le chantez, ça donne ça. 14-02-2-0-02, la Saint-Valentin qui dit tout est-il d'une date telle pour tel don. Tu as trop d'abandon, tu as trop de bandon, après prenons l'oubli pour une demande de pardon. T'as possible. On n'y arrivera jamais, nous, à chanter votre chanson. Ce texte, c'est sur le sida et sur la, comment le sida se transmet. Comme ça, c'est vraiment très très beau, mais c'est vrai qu'il faut le lire. Quoi. Ouais, comme je disais, c'est les personnes qui, à la limite, vont jamais écouter de rap, ça va être dur. Comme si moi, demain, je me mets à écouter du jazz, un truc super technique, ou de l'opéra, je vais rien capter, alors qu'il y a sûrement des prouesses et des prouesses techniques et tout, que je vais rien capter. D'accord, Derek. Bon, les jeunes, ça va les jeunes? Salut. Alors, vous savez, je comprends vos problèmes, je connais beaucoup de jeunes, je voyage beaucoup et je comprends les problèmes des jeunes, étant d'ailleurs moi-même un ancien jeune, donc... Alors, j'ai écouté votre disque, bon, j'ai pas tout compris, même rien d'ailleurs pour être clair, mais il m'a semblé quand même décelé, je dirais, comme un soupçon d'une légère animosité à l'égard des agents de la force publique. Et c'est ça. Oui. Vous pensez Pardon Des flics, quoi, en gros. Ouais, animosité, non. C'était. En fait, pour parler du morceau, c'est un morceau qui s'appelle Police, au pluriel. Donc, différentes façons de traiter le sujet. Nous, on a choisi la manière d'exposer chacun une petite histoire, une petite galère qui nous est arrivée avec la police. Mais ce qui est très bizarre, c'est que. Je me demande si vous avez vraiment écouté le disque, parce que personne ne parle des petits, entre les chansons, des petits mopettes chauds. Des mopettes chauds. Bien sûr qu'on a entendu. Les deux vieux. Pourquoi vous avez voulu faire ça? Puis alors, je vous entends parler aussi. Hein. Pourquoi? Tu crois pas que les jeunes, il faut du rap? Où est-ce que vous avez chopé ces voix-là? C'est les voix d'origine? Ouais, c'est les voix d'origine. Et je voulais vous demander, vous écrivez comment? C'était moi qui voulais. Ah bah alors, vas-y, Claude. Il y a une énorme unité de style, de ton. Je ne parle pas de la musique, c'est pas... mais les textes sont très bons. Et comment vous ne les écrivez pas tous les six ensemble, quand même? Si. En fait, comment vous faites? Comment vous faites? Chacun un mot. C'est ça qui fait des phrases un peu spéciales. Je fais qu'on comprend rien. Non, en fait, comment ça s'est passé? Ben, pour la réalisation de ce deuxième album, en fait, on sortait de tournée. Donc, on s'est enfermé dans notre petit home studio. Voilà, et comment ça s'est passé? Ben, souvent une musique arrivait, ce qui fait qu'un thème par rapport à la musique était proposé, et vu qu'on était tous les six réunis, ben, on écrivait sur le tas. En tout cas, Sahel Supaku et l'album X Raisons sont en tournée, on peut le dire. Ouais, ouais. Vous serez à l'Olympia le 20 décembre à Paris. Ouais. La tournée se terminera à Rennes, une ville où j'imagine on aime bien le rap. Ce sera le 21 décembre, puis vous passez par Rouen, Genève, Dijon, Bruxelles, Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier. On a mis les micros là parce qu'on ne voudrait pas que vous partiez sans au moins que vous nous fassiez un petit truc. Moi, en fait, comment je vous ai découvert, c'est aux Victoires de la Musique. Ouais, parce que là, derrière nous. Pardon, ouais, j'étais derrière vous, vous étiez d'arrêté, vous foutiez le bordel aux Victoires de la Musique. Hein. C'est un peu ennuyant, un peu. Ouais, c'est un peu comme les 7 d'or, on se fait chier très vite. Hein, c'est... Toutes les soirées de récompense. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas nous improviser un petit truc Science Super et puis X raison de l'avoir. The new millennium. Ladies and gentlemen, please now receive the our ultra magnetic MC. Science Super. Merci. Science Super Crew en tournée. Je sais pas, regarde. Attends, là, on a. Ça représentait une facette du hip-hop. On peut parodier un peu la chanson française, on va dire. Un, deux, trois, voilà. Vas-y. Comment tu t'appelles déjà? Vivez-moi! Moi et mon cœur! Il a vraiment du talent. Je veux être libre! Il veut être libre.
libre d'aimer. Il a le droit, après tout, c'est son droit, c'est son droit. Aimer. Ouais. À en mourir. À en mourir, vas-y, donne. Libérez-moi. C'est ça. Libère-toi, tu peux y aller, tu peux y aller, vas-y. Vous ne m'aurez point. Vous l'aurez je pas. Je m'enfuirai. Il s'en ira. Jusqu'au bout de la galaxie. Ouais. Libérez-moi. Merci. Ça y est, je suis pas cru. Le nouvel album s'appelle X Raison. Merci les gars. En tournée et à l'Olympia, donc je l'ai dit, le 20 décembre. Merci voilà, à tous les trois. Merci. Bye bye. Autre sujet. Si vous habitez Lyon, vous allez bientôt voir ces affiches à Millionnet, affiches pour une campagne contre la fraude dans les transports en commun. Par exemple, entre autres slogans, vous lirez « Dans les transports en commun, on est tous égaux quand on paye sa place ». Ou encore « Un jour ou l'autre, tous les fraudeurs se font prendre ». Et un dernier, « La règle est la même pour tous ». Bref, ce sont les slogans retenus. À Paris d'ailleurs aussi, hein, la fraude dans les bus, les tramways et les trains de banlieue a explosé ces derniers mois. Tout ça est l'occasion pour Annie Lemoine de tester un moyen de répression contre les fraudeurs. Regardez cette caméra cachée par Julien Héron. Bonjour, aujourd'hui j'ai testé pour vous de nouvelles mesures anti-fraude dans les transports en commun. Allez, au boulot les gars! C'est une demi-journée, ça aurait pu être une journée entière. Quand vous faites un côté, faites bien l'autre. Hein. Regardez, il y a des traces, là. Hein. Allez, là, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas là, c'est pas une même partie de plaisir, hein? Vous êtes de la RATP, madame? Bien sûr. C'est une honte, ça. Comment ça, c'est une honte? Oui, c'est une honte de faire porter ça aux gens. De les faire travailler, non, mais de faire porter ça aux gens. Pourquoi vous les mettez pas au coin avec un bonnet d'âne sur la désolé, tête? Je suis désolée, monsieur, ils payent pas leur contravention. Oui, au moins, c'est pas ils une raison pour leur mettre ça sur le dos, madame. Vous payez votre ticket? Oui, parfaitement, alors madame. Ça vous arrivera pas, monsieur. Oui, mais ça, c'est pas parce que ça m'arrivera pas que ça arrive aux autres. Moi, ça me dérange, madame. Parce que ce sont payer. Des méthodes de fascistes. Allez-y, 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 là, on n'est pas là pour rigoler, hein. C'est pas le Club Med. Hein. Vous avez payé votre ticket, madame? Oh bah oui. Je vous le recommande, hein, parce qu'on a adopté la nouvelle méthode. Maintenant, quand on paye pas le ticket, on fait les travaux. Hein. Ah bon? C'est pas mal, ça, de toute façon. Oh, mais il y en a tant qui payent. Eh oui, mais comment les faire payer? On a un ami, là, qui est contrôleur, il dit... Pour les faire payer, il faut les tabasser, alors... Non, on a une autre solution, nous... Allez, oh, c'est pas les vacances, là, vous y allez un peu. Pour une fois que je payais pas, hein. Pour une fois que vous payez pas, hein, la prochaine fois, vous payerez. Oh, qu'il est vilain. Oh, qu'il est vilain. Il faut donner une leçon. Une leçon, mais on n'est plus à la maternelle, quand même. Non, mais je sais pas, à la limite, moi, ça m'inciterait à pas payer, quoi. Est-ce que vous accepteriez qu'on vous prenne pour un guignol parce que vous avez fait... Si ça se trouve, ils l'ont payé avant et ils ne le payent pas. Moi, en tant que membre de la RATP, je ne risque rien, j'ai des tarifs, hein. Bon, ben ça, c'est intelligent comme réponse. Vous, on voit bien que vous n'avez pas l'habitude, hein. Ben, vous avez qu'à le faire. Pourquoi vous l'aidez pas? Dites donc, monsieur, ne m'insultez pas, hein. Je suis cadre à la RATP, hein. Oh, chouchouette, hein. Vous avez tous intérêt à payer votre ticket, hein, parce que si vous payez pas, hop, sous l'abribus pour nettoyer, hein, la nouvelle méthode de la RATP, donc payez, hein, sortez les tickets et compostez, s'il y a un contrôle, vous êtes mal. Hein. Je trouve ça navrant. Pour quelle raison? Parce que je trouve ça odieux. Ils sont dans leur tort, ils payent pas leur ticket de métro. Oui, mais vous n'avez pas... Je trouve ça avilissant, je trouve ça absolument lamentable. Ah oui, je suis une affection. Oui, absolument. Alors, c'est des méthodes carrément fascistes. Il n'y a pas de collant pour ce genre de procédé. Parce que ça, j'appelle ça de la délation. C'est une délation, c'est le... Ah oui. Non, mais rasez-leur la tête. Rasez-leur la tête. Comme ça, c'est plus simple. Ah oui, non, mais il y a... C'est vraiment écœurant, messieurs dames. Oh, qu'il est vilain. Oh, qu'il est vilain. Ça. Mais alors ça, c'est l'Amérique, quoi. Eh ben évidemment, c'est l'Amérique, c'est le modèle américain. Ça me révolte. S'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de payer leur ticket ou qui ont une problématique, qu'on leur fasse faire ça, mais non. Je suis révolté. Vous êtes mais vous pas êtes les moyens de payer. C'est affligeant, un truc pareil. On est en France, quoi, c'est soi-disant le pays des droits de l'homme et vous faites ça, quoi. Mais putain. C'est de la dégradation de la personne humaine, quoi. Mais franchement, moi ça me révolte. Là, je reviens pas, quoi. Alors évidemment, tout ça, pour ceux
pour ceux qui auraient un doute, hein, évidemment, ni à Lyon ni à Paris, il y a encore ce genre de répression des fraudes, c'est le cas de le dire. Tout ça est totalement inventé par l'équipe dont on a tout essayé. On n'en est pas arrivé là pour essayer, évidemment, de faire payer les tickets à tout le monde. Mais on voit que les réactions sont terribles, Gérard. Non, mais c'est la première fois que je vois une caméra cachée avec des réactions qui font aussi chaud au cœur. Ah. Parce que vraiment, je trouvais que c'était assez unanime, à part une dame qui rappelle de mauvais moments de notre histoire. Mais les autres, c'était quand même vraiment bien. Et ce qu'ils disaient était incroyablement précis, sensé. Claude. Moi, je vais vous faire un aveu. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Ça ne s'est pas passé hier. Ça s'est passé il y a 35 ans. Je devais aller tous les jours rejoindre Revel à Sens. Donc, j'allais à la gare de Lyon. Il y avait une queue énorme pour prendre les billets. Et j'ai commencé par me dire, ben, je ne fais pas la queue pour les billets, je payerai dans le train. Et puis, j'ai pris goût. Et j'étais comme ça. C'est un sport, c'est un jeu, c'est une excitation absolument extraordinaire. Et ça a duré 2 ans. Maureen, vous avez triché, fraudé déjà? Sûrement en Belgique. Non, je trouve ça dégueulasse, moi, les gens qui font ça. Je trouve ça dégueulasse parce que finalement, on paye pour eux. Parce que les tickets coûtent plus cher parce que forcément, ils doivent faire la balance entre ceux qui payent pas et ceux qui payent. Et puis, si tout le monde faisait ça, eh ben, t'aurais plus d'autres transports en commun. Il faut réserver le terme de dégueulasse à certains autres actes. Je n'ai pas de sympathie pour la fraude. Enfin, je peux pas dire. Ben, quelqu'un qui attaque un chauffeur de bus, je trouve ça profondément dégueulasse. Ouais. Quelqu'un qui fraude, je ne le fais pas. Je peux pas dire que je me sens indigné de la même façon. Tu ne dis pas que c'est dégueulasse. Si je dis c'est pas dégueulasse, bien. Voilà. Là, il s'est passé. Et moi. Voilà. On va accueillir sur ce plateau quelqu'un qu'on peut peut-être appeler comme fraudeur professionnel. Je ne sais pas si ce terme lui va bien. Il va nous le dire lui-même. Il a 22 ans, il est étudiant, il s'appelle Grégoire. Grégoire. Bonjour, bienvenue. Alors, vous vivez en banlieue, vous avez accepté de venir sur ce plateau sans qu'on donne votre nom quand même. Mais quand même un visage découvert. Et vous dites, moi je suis fraudeur depuis l'âge de 16 ans. Oui. Ça fait donc 6 ans que vous fraudez. C'est exact. Bon, vous fraudez parce que vous n'avez pas les moyens d'acheter les tickets ou est-ce que vous pourriez acheter un ticket? Si, j'ai les moyens, mais je trouve que c'est excessif. Je demande pas la gratuité, je demande que ce soit pas si cher que ça. Ouais. Donc vous êtes fraudeur par jeu? Il y a de ça aussi. Il y a du jeu, l'économie, un peu de tout. Quoi. Et vous êtes déjà fait piquer? Oui. Écoute, et alors qu'est-ce qui se passe? L'amende, c'est dur l'amende? Elle est de combien? Non, l'amende, elle est de 300 francs. Et vous êtes obligé de la payer? Ah bah oui, sinon il y a des... C'est fou ce que la télé fait. Ce type va être en tôle, à peine sorti du studio. Il y a déjà les flics, on les entend qui arrivent. Mais pour passer à la télé, il a tellement envie que... Ta vie est foutue, mon vieux, maintenant, ça y est. Est-ce que c'est pas un peu facile de frauder dans les transports en commun? Ça manque pas un peu de panache? Moi, personnellement, j'essaie de frauder dans les taxis. C'est beaucoup plus difficile. Je me cache derrière le siège, comme ça. Et quand même, il est élégant comme fraudeur. Parce qu'il dit, on vous a interviewé, vous dites, attention, j'essaie de ne pas déranger la personne grâce à qui je passe le tourniquet et la porte. En général, je saute par-dessus le tourniquet et je bloque la porte avec le pied pour ne pas qu'elle se referme. La personne ne s'aperçoit même pas que je suis passé derrière elle. C'est un véritable sport. Voilà, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai, dis-le-leur, ouais, ne sois pas toute seule. Et si c'est une jolie fille dans le tourniquet, vous vous collez pas quand même Non. Vous avez vu le dessin de Rançon? Regardez ce dessin d'Olivier Rançon, cette dame qui dit au fraudeur, ce serait bien que vous payiez au moins une place, vu qu'il en prend 4. Gérard même... Non mais, vraiment, moi je ne suis pas du tout pour encourager la fraude, mais je ne peux pas dire que j'ai une antipathie absolue pour ce jeune homme. Je ne le connais pas, je ne sais pas quelle est sa vie. Bravo. Mais non, je ne veux pas l'encourager. Mais on ne peut pas s'indigner de toutes les formes de transgression de la loi. Ce n'est pas vrai que c'est équivalent. Moi, j'ai une aversion absolue pour toute personne qui touche au physique de quelqu'un, qui frappe, qui injurie même. Mais ça, c'est des types de délinquants. Vous êtes un délinquant, il n'y a aucun doute. Et on ne peut pas vous mettre dans le même sac que les gens qui balancent des caillasses sur les bus RATP. Donc, on ne peut pas s'indigner de la même façon. Mais on ne met pas dans le même sac. On ne met pas dans le même sac. Mais simplement, on est en train de parler d'un sujet. Il y a des jeunes qui regardent l'émission en ce moment et qui sont en train de dire c'est sympa. Alors, moi, je propose. Voilà, je propose. C'est fini maintenant. Fini. C'est promis. Mais moi, je comprends quand même le discours de Maureen. Je voudrais dire, c'est vrai, on peut pas encourager les jeunes à frauder. C'est pas bien. C'est pas le propos. Merci, Maureen. Voilà. Mais on ne peut pas totalement en vouloir à certains non plus. Voilà, et j'essaie d'être au centre du débat, ce n'est pas facile. Je signale en tout cas que les femmes fraudent moins que les hommes. Ce sont les hommes c'est qui normal. Fraudent le plus. C'est normal. Pardon, aussi, c'est normal. C'est difficile, c'est un sport. C'est physique. Elle est
Un homme court plus vite qu'une femme. Il n'y a pas que ça aussi. C'est dans la nature, c'est physique. Et puis il n'y a pas que ça aussi. Il faut dire aussi que les femmes achètent les tickets avec l'argent des hommes. Voilà, aussi. Tout à fait. Voilà, bon, on va vous remercier, Grégoire. Je vais donner votre nom, votre adresse. Merci d'être venu. Merci à vous. Allez. Même si aujourd'hui elle est comédienne, sachez qu'elle recevra le 21 novembre prochain la médaille de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Pour tous les Français, il n'empêche qu'elle reste l'animatrice de Tournée Manège. Voilà pourquoi sûrement l'éditeur Michel Lafon lui a demandé de prêter son nom à ce livre que nous allons tester pour vous, Le meilleur des perles des annonces matrimoniales. Vous avez compris que nous allons recevoir Evelyne Leclerc. Proposition surréaliste, solitude aux enchères, petite gaffe pour gros coup de foudre. Vous êtes devenue finalement la spécialiste des cœurs à prendre. En quelque sorte, parce qu'il y a eu 8 ans de tournée manège, donc ils m'ont permis de faire 42 mariages, d'avoir quand même 39 bébés. En 8 ans, c'est pas mal. Vous avez fait une péridurale quand même. Oui, oui. Et parmi les perles que nous avons relevées, il y a beaucoup de vantards, il y a beaucoup de. À vous dire qu'une petite annonce est forcément mensongère. Non, mais il y a de tout et c'est ça qui est drôle. Mais souvent, finalement. C'est mensonger. Je pense au moment où ils doivent se rencontrer, il y a certainement des surprises de taille. Gérard Rière. Bah non, moi, ça m'amuse parce que vous n'avez rien écrit de tout ça. Ah non, je ne le revendique voilà, pas. Et c'est ce que j'ai votre nom. Prêté son nom. Et voilà, c'est exactement, bien, c'est exactement oui. Ça. Mais alors, donc j'ai imaginé, j'ai votre prochain livre, vous voyez, c'est l'annuaire de Paris, présenté, mes meilleures adresses et numéros de téléphone, présenté par Evelyne Leclerc. Thierry Roland, d'ailleurs, dans la même collection, a fait les perles des meilleurs moments du football. Et voilà. Christophe de Chavannes a fait les meilleurs moments de la gendarmerie. Là, je n'ai pas bien vu le rapport. Si, c'est parce qu'on va l'arrêter. Où est-ce que vous trouvez ces petites annonces alors ? Un petit peu partout. Bon, dans les annonces qu'il y a dans les magazines, évidemment, beaucoup sur Internet. Beaucoup sont inventées, il faut bien dire. C'est non, pas du tout, parce que c'est un petit peu comme à Tournée Manège, il y a eu aussi des perles incroyables. Ouais. Par exemple, que signifie pour vous, ça c'était à Tournée Manège, le sigle HIV, et le candidate a réfléchi pendant moins 5 minutes avant de répondre, interruption volontaire de grossesse. Bon, ce sont des choses qu'on ne peut pas inventer. Et dans ce livre-là, je trouve aussi c'est tellement énorme qu'on ne peut pas... Vous n'avez pas suffisamment lu les petites annonces du Nouvel Obs ou de Libé, qui parfois sont quand même hallucinantes. Cette petite annonce, je ne pense pas qu'elle soit exacte, vous voyez, elle est très drôle, mais je ne crois pas qu'elle soit vraie. Caroline, 21 ans, élève en classe de certificat d'études, cherche un jeune homme très cultivé. Je connais des gens qui ont passé leur certificat d'études à 18 ans. Alors, est-ce que je peux poser une question ? Les petites annonces, elles sont d'une innocence totale, d'une pudeur extrême. Mais c'est pas cochon, hein, comme bouquin. Pas une seconde. Non, parce que... C'est même assez décevant à ce niveau-là. Ça n'est pas mon style, pas encore. Ah, mal, je viens de tomber, mais alors par hasard, sur une... Sur un cochon. Cochon. Belle femme, sein plutôt en pointe et musclée parce que je fais de l'escalade. Je cherche un homme qui bande bien sans être trop tendre. Mais ça, c'est la plus cochonne. Par hasard. Et celle-là, jeune femme de 35 ans, très jolie, souhaite rencontrer le futur papa de ses enfants, cheval accepté. C'est assez curieux. Les poneys, non, mais les chevaux. Derek. C'est vrai, elles sont un peu gentilles. Hein. Moi, j'en ai trouvé d'autres sur l'Internet. Ouais. Par exemple, alors... Recherche maîtresse pour relation sadomaso dans la région de Grenoble. Me déplace jusqu'à Voiron. Il y a ceux quand même qui essaient de montrer qu'ils valent le coup, quoi. Par exemple, les vantards. Une femme qui recherche un homme, elle dit « Marre des plateaux repas ? Tu en as marre des plateaux repas ? Tu en as marre d'être seule devant ta télé ? Si vous avez, monsieur, entre 28 et 40 ans, répondez-moi, je suis celle qui vous fera découvrir des petits plats surgelés. » C'est très alléchant, tout ça. Ah oui, hein, ça donne envie, hein, tout de suite. Il y a Maureen, le côté pratique aussi. Je suis désolée, mais moi je comprends pas quoi. Je comprends pas pourquoi vous. Je comprends pas ce qu'il veut. Pourquoi. Tu comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt de ce livre. J'ai pas trouvé que les trucs étaient très drôles. C'est se moquer de gens qui mettent leur cœur, qui croient bien faire et. Je sais pas. Chacun a son opinion et je respecte la vôtre tout à fait. Non, mais c'est vrai, n'ayez pas peur de vous moquer trop des gens qui sont solitaires finalement. Mais on se moque pas d'abord, il n'y a pas de citation. Alors moi, vous savez, des fois, il peut y avoir des surprises. Parce que moi, j'avais vu une annonce recherche jeune homme bien sous tout rapport pour relation SM. Alors j'y vais, puis la fille, elle commence à me faire des gestes bizarres. Et moi, je croyais que ça voulait dire sadomaso, et non, ça voulait dire sourd-muet.
Gaber, est-ce que ça vous est déjà arrivé, est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ici de passer une petite annonce? Oui, quand je cherchais un appartement. Non, une annonce de cœur, une annonce matrimoniale. Ça ne vous viendrait pas? Non. Non, pour trouver quelqu'un? Non. Non. Vous, Maureen? Mais tu es seule toujours. Non, elle non, non certainement je suis pas. Gérard? Non, ça ne viendrait pas à l'esprit. Claude? Moi, je suis allée pour le repérage d'un de mes bouquins dans une agence matrimoniale. C'est vrai, je l'ai fait. Et j'étais passionnée par cette entrevue avec la jeune directrice, tout à fait jolie. C'était du côté de la Trinité, de l'église de la Trinité. Et c'était formidable. Formidable, toutes les questions qu'elle me posait et toutes les possibilités qu'elle m'offrait. Pas pour moi, mais pour mon personnage. Derek. Moi, un jour, j'avais mis une annonce. Et puis, on s'était donné rendez-vous. Et moi, malin, je me suis dit, je ne vais pas donner ma vraie description. Je vais en donner une autre, comme ça, je vais pouvoir la regarder. Puis, si elle me plaît pas, je pars. Seulement la fille, elle avait fait pareil, ce qui fait qu'on s'est jamais vu. C'est presque l'histoire de la pièce dans laquelle vous jouez en ce moment, exact, la petite exact. Boutique au coin de la rue, tirée du film de Lubitsch, actuellement au théâtre Montparnasse. Jean-Luc. Vous avez animé Tournée Manège pendant longtemps, et, et est-ce que vous accepteriez que je vous pose quelques questions comme dans votre jeu Choisissez-moi? Mais je vous en prie. Voilà pour que un peu les gens apprennent à vous découvrir. Donc je vais essayer de reprendre la voix des candidats. Vous voulez que je me déshabille tout de suite, me découvrir? Mais volontiers, ah bon. Allez-y, allez-y. Il veut me découvrir tout de suite. C'est clair qu'on aimerait voir le centre de Claire. Evelyne, ton idéal masculin, ce serait plutôt un maoïste druckeriste comme Gérard Miller, le fils caché de Christine Bravo et du commandant Cousteau comme Jean-François Derek, ou un type pour qui j'ai énormément de respect et à qui je dois beaucoup, c'est-à-dire moi. Un mélange des trois, pourquoi pas? Ah non, il se mouille pas. Hein. Et Evelyne, est-ce que tu aimes la grande musique? Et si oui, qui est devenu Charlie Oleg? Mais c'est un grand musicien, il a accompagné des jazzmen, il a accompagné Beko pendant très longtemps. À l'aéroport. Et Charlie va très bien. Qu'est-ce que vous avez dit? À l'aéroport. Il a accompagné à l'aéroport. Il les a aussi, accompagnés peut-être. À l'aéroport. Oui, aussi peut-être. C'était il y a combien de temps, Tournée Manège? Ça s'est arrêté en 93. En 93. Et on n'arrête pas d'en parler encore aujourd'hui. Donc, Il y a 8 ans. Donc. Oui. Alors, Evelyne, vous êtes douée pour l'animation, vous savez meubler en 4 tas de choses. Hein, voilà. Alors, je suis sûr que vous êtes capable. Je ne sais pas si on va y arriver. Oh, le lancement pour Je suis sûr que vous êtes capable de trousser une petite annonce pour chacun des participants de cette émission. Allez, on commence par Maureen Dor. Petite belge à lunettes. Voilà. Trois petits points. N'aimant pas l'humour beauf. Voilà. Ou populaire. Cherche un télo. Cherche un télo de qualité. Cherche un télo français. De préférence travaillant qui sur qui parle lentement pour bien comprendre. Voilà. Ah, ça, c'est pour Maureen Dor. Derek, alors. Derek pourrait faire équipe avec Isabelle, par exemple, en cherchant coiffeur, salon de coiffure ouvert jour et nuit. Derek, je sais pas, homme, chapeau rouge, cherche enfin à pouvoir ôter son chapeau, enfin, truc... Cherche salon de coiffure ouvert 24h/24. Très bien, Claude Sarotte. Voilà. Claude, c'est des... Le monde des intellectuels, non de... Ah non, c'est des mecs de 20 ans qu'elle veut, elle. Oh non, mais un peu intello quand même. Femme, cheveux blancs, magnifique, élégante. Non, pas cheveux blancs, il ne faut pas mettre ça, c'est rédhibitoire. Il ne faut pas mettre cheveux blancs. Ah bah non. Jolie blonde, la cinquantaine, épanouie, en pleine forme. Quand tu te présentes avec tes cheveux blancs, tes 75 balais, la tête du mec. La tête du mec. Tu lui dis que t'as 50 ans. Mais il sera ravi, Ça lui fait 25 gratis, il doit être content. On en fait une petite dernière petite annonce pour Gérard Miller, je sens que vous l'aimez. Homme de droite, vu à la télé. Hein, un truc comme ça, Gérard. Polyvalent. Polyvalent, oui. Toute chaîne confondue. Plus valent que poli. Non, mais en plus, ça marche parce que vous mettrez psychanalyste, polyvalent, vu à la télé, ce que vous voulez. Cherche jeune femme, à cheveux cuivrés, par exemple, portant un t-shirt rouge, et immédiatement, je la trouve. C'est vraiment facile, hein, les petites annonces. Elle a l'air vachement volontaire. Regardez-le. Et ce qui est terrible, c'est que c'est monté comme ça, on a l'impression qu'il a réussi, mais elle a dit « Oh putain, c'est qui ce ringard ?» Evelyne Leclerc, on va rappeler que votre livre s'appelle « Le meilleur des perles des annonces matrimoniales » pour ceux qui veulent s'amuser. Si vous ne vous mariez pas avec le livre, en tout cas, vous passerez un bon moment, je l'espère. Voilà. Ça n'est pas cochon, je le rappelle, mais c'est sympa. C'est chez Michel Lafon. Merci Evelyne. Tout à fait. On termine, comme chaque soir, Claude. On termine par le... Qui a dit quoi? Bien, parfait. Alors, premier qui a dit quoi? C'est la démocratie. Il semble qu'il y ait beaucoup de monde qui ait des choses à me dire. Je
Lionel Jospin. Bravo, c'est Lionel Jospin qui a été un peu bousculé hier. Ça se passait à Rennes. C'est qu'il a été obligé d'annuler une sortie dans le centre-ville de Rennes, où il était en visite, je crois, à propos d'une conférence sur l'Europe, c'est bien ça, Gérard. Et puis, comme il y avait des manifs, des syndicats qui... Les intermittents du spectacle, notamment. Qui protestaient, ouais. Voilà, à un moment donné, il a annulé une sortie. Il dit, ben, il semble qu'il y ait quand même des gens qui ont envie et besoin de me dire des choses. Ben oui, c'est ça, la démocratie. Vous connaissez la différence entre la dictature et la démocratie ? Non. La dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours. C'est joli. Allez, un autre qui a dit quoi ? J'ai tout plein de rides, mais ce n'est pas un problème. Ah, je sais, c'est E.T. Non, c'est pas E.T. Ah, moi, j'ai lu ça ce matin dans le journal. À la glace. Oui, et à mon avis, Claude Sarraute, qui a des problèmes de mémoire, ne sera même pas foutu de répondre à ça. Non, parce que j'ai pas vu papier. Parce que c'est mais... elle qui l'a dit. C'est Claude Sarraute qui a dit ça dans le Parisien ce matin. Oui, ouais, mais j'ai pas lu parce qu'il n'y était pas, là. Mais vous l'avez dit. Oui, dit, tu sais, c'est toujours la même chose avec ces interviews où des jeunes gens charmants viennent, ils restent avec toi pendant une heure et demie, puis tu ne sais pas ce qu'ils retiennent. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que vous leur avez vraiment dit que vous aviez plein de rides et que ce n'était pas un problème? Ah, bah sûrement. Et c'est vrai, ce n'est pas un problème. C'est vrai? D'ailleurs, vous n'avez pas plein de rides, Claude. Ah, si, attends. Tu veux que je souris? Regarde, quand je souris, ça fait comme un ventre de crapaud. Un dernier qui a dit quoi ? Mon objectif, c'est d'être numéro un. Cette ambition, je l'ai depuis toujours. Poulidor. C'est pas Poulidor. Un sportif, actuellement. Footballeur ? Actuellement à Paris, en compétition. Tennisman à Bercy, bravo Claude. Ouais, je brûle. Tyson, Quarten. Non, un Français. Un Français. Pioline. Arnaud Clément. Pas Arnaud Clément. C'est Pioline. Pas Pioline, il a été éliminé, alors c'est pas Pioline. Grosjean. Bravo. Grosjean. Sébastien Grosjean, bravo Jean-François Derec. Alors ouais, mais je vais vous dire... Ouais, Gérard. Je me fais souffler par le public que je crois féru de tennis et il me souffle des choses idiotes. Il disait Zidane. Et Gérard, Zidane, il disait Gérard. Zidane, le grand joueur de tennis. Oui, tu t'es fait couillonner, mon GG. Vous jouez au tennis, vous, Isabelle Mergo? Oh, pas du tout, mais alors vraiment pas. Vous voulez déjà partir? C'est pas parce qu'il est bientôt 8 ans. La caméra montrait, elle avait son sac c'est dans la main. C'est faux. Vous ne rangez pas vos affaires avant que la cloche ait sonné. Non, mais c'est terrible, ça. Mais non, c'est pas vrai, que je vous explique. Il était en train de se casser la figure, mon sac, et que... Quoi, regardez. Ça va vous regardez. Elle a rangé toutes ses affaires devant elle, comme à l'école. Et il était en train de se casser la figure, je me suis dit, pourvu que ça fasse pas de bruit, et je l'ai mis là. Elle a raison, c'est la fin de l'émission, on se retrouve demain à 19h, merci d'être là chaque soir.